Si dans les 5,10 prochaines secondes tu ne likes pas cette vidéo et tu ne t'abonnes pas à la chaîne, tu ne pourras jamais obtenir le skin Miaouzclé en version ombre ou en version fantôme. Donc abonne-toi vite à la chaîne YouTube pour ne pas prendre de risques. Du coup la Team Burger, on se retrouve directement sur mon compte Fortnite. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature de cette vidéo, on va parler du skin Miaouzclé pour le débloquer soit en version ombre ou en version fantôme. Donc simplement je vais vous montrer un peu les variantes. Donc on va aller dans son casier à Miaouz. Donc Miaouzclé il est là et il y a deux variantes qui existent. La variante ombre donc qui est celle-ci qui est vraiment très badass, et la variante fantôme qui est un peu plus kawaii, a des petits yeux très sympathiques. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire vous allez prendre lequel, si vous allez prendre le ombre ou le fantôme. Mais grâce à cette vidéo que je vais vous présenter, vous allez tout simplement pouvoir récupérer l'un ou l'autre. Voilà, donc la vidéo ça marche pour les deux. La vidéo que tu vas regarder dès maintenant, bah tu vas pouvoir très bien débloquer le ombre ou le fantôme. Déjà tout simplement pour débloquer l'accès, car pour le moment c'est confidentiel, pour débloquer l'accès il faut déjà avoir le skin Miaouzclé. Donc ça veut dire que tu dois faire le pass de combat, tu dois posséder le pass de combat et il faut déjà l'avoir débloqué. Ensuite de ça, une fois que tu as débloquer le skin, c'est pas tout, voilà, ça va rester confidentiel comme ici. Il faudra aller dans la table des défis et il faudra chercher la rubrique. Regardez, tu fais comme moi, tout là-haut il y a marqué voilà, défi, tous les défis, et du coup tu vas devoir le trouver, les défis de Miaouzclé juste ici, et tout simplement faudra tous les faire. Donc à l'heure actuelle tu dois faire tous les défis Miaouzclé, moi il m'en reste encore deux à faire. Donc voilà, vous regardez sur Google, sur YouTube, etc. comment les réaliser, et vous voyez ensuite il y a marqué des défis dans 6 jours, etc. et il y a plusieurs pages. Regardez, je vais de page en page, et tout simplement la page 3 bah c'est les défis que j'ai déjà fait, et la page 4 voilà, donc ça c'est les défis que j'ai déjà fait. Mais si vous regardez la page 2 et la page 1, il y a des défis qui vont arriver dans 6 jours, donc il y en a quand même pas mal. Si vous regardez, il y en a quand même plusieurs qui vont arriver dans une semaine. C'est à dire que dans une semaine des défis supplémentaires de Miaouzclé vont arriver, et tout simplement il faudra les réaliser, plus réaliser ceux qui sont déjà disponibles. Et du coup une fois que tu auras fait tous ces défis, bah c'est très simple, il faudra tout simplement aller dans le labo des agents, tu vas devoir cliquer sur Miaouzclé, et ensuite une fois que tu auras fait tous les défis, et bah ça va devenir confidentiel, ça va devenir la mission, tu vas pouvoir la réaliser. Ensuite ils vont te demander de faire un choix de mission, donc c'est à ce moment là que tu dois choisir le skin. Donc ne te trompe surtout pas poteau, donc soit tu prends la version ombre soit la version fantôme. Donc prenons l'exemple pour le ombre, tu cliques dessus et ensuite de ça ils vont te demander de faire un petit défi. Donc là il y a marqué accomplir les 18 défis de Miaouzclé, moi j'ai même pas encore trop la moitié les potes, vous voyez que je suis à 8 sur 18, il me reste encore quelques uns à faire. Et donc vous l'avez compris, les autres défis arriveront dans 6 jours à l'heure où je fais la vidéo. Ça se trouve à l'heure où vous regardez la vidéo, bah tout simplement les défis seront déjà sortis, donc vous pouvez les faire assez facilement. Et tout simplement une fois que tu auras fait ça, tu pourras choisir la variante que tu veux, soit la variante onde comme j'ai déjà dit, soit la variante fantôme qui est un peu plus kawaii à mon goût, qui est quand même assez stylée. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quelle variante vous comptez prendre. Pour ma part, il y a énormément de chances que je prenne la variante ombre, car je trouve ça super badass avec les petits yeux. Vous regardez, voyez un peu les yeux en mode énervé, en rouge comme ça, c'est un peu comme dans des mangas. En tout cas, la Team Burger, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu es nouveau ou nouvelle, bah n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, il y a une vidéo tous les jours sur la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à appuyer sur le bouton rouge et activer la cloche, il y a une vidéo tous les jours. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et pour finir la vidéo, n'oubliez pas de mettre dans la boutique le code créateur pour Jumper pour participer et tenter de gagner le pack légende des bleuvages. Donc n'oubliez pas, tout en majuscule attaché, le code PORTJUMPER. Merci à toutes celles et ceux qui le mettront. En plus ça, il y a 25€ de bucks à gagner chaque semaine. Donc n'oubliez pas d'utiliser le code créateur dans la boutique Fortnite. C'était Team Burger, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye les potes.